Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare pour le passage au niveau 100 de la saison 1. Ça fait plaisir et du coup on se retrouve en domination 10 contre 10, j'en ai pas du tout proposé sur la chaîne je crois, ou alors peut-être une seule fois. Mais voilà, ça me paraît assez inédit, donc pour le coup c'est une bonne chose. Et en plus de ça, on va prendre du coup la M4 OG, car c'est l'arme que j'avais débloquée du coup lors du niveau 155 de la saison 0. Et je ferai ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsqu'on passera le niveau 100 de n'importe quelle saison, je prendrai du coup l'arme débloquée lors du niveau 155 de la saison précédente. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, au moins ça fait une petite présentation pour la même occasion. Donc que du bonus, on est sur Arc of Peak. Une map en réalité je joue jamais dessus en 10 contre 10. Par contre, en 6 contre 6, oui, enfin en R&D plus particulièrement, je joue beaucoup sur cette carte. Donc là bah, ça va faire presque bizarre parce que ouais, à chaque fois que je joue sur Arc of Peak c'est en R&D. Quand je faisais mes fameux défis des victoires R&D là, qui étaient bien bien chiants, je vais en parler d'ailleurs après. Mais là du coup on est en 10 contre 10. Mais c'est une map 10 contre 10 en même temps, elle est faite pour ça quoi. Donc en même temps là on est dans les bonnes conditions quoi. Mais là en 10 contre 10 ça va me faire un peu bizarre je pense hein. Ah bah là on peut réapparaître déjà par rapport à la R&D. Là déjà c'est le petit bonus hein, si je puis dire hein. Ça change tout là hein. Oh, il m'a séché lui. What the fuck. Oh, j'ai envie de voir la kick-cam. Bah ouais attends mais... What the fuck. Il m'a bullshit. C'est moi qui dois bullshit, c'est moi qui ai la M4 non. En même temps, quand je vois les gens là avec la RAM 7, donc bon, la TAR-21, je préfère l'appeler, elle a l'air comme très puissante, hein. Je l'ai pas encore débloquée, mais c'est vrai qu'elle a l'air très puissante. Peut-être une nouvelle M4, mais non, mais tout cela par contre. Tu peux pas mourir, toi, derrière ton truc, là. Merci, enfin. Mais ouais, elle a l'air très puissante, donc j'ai hâte de tester quand même pour voir si ça se vérifie ou pas. Je pense que oui, ça va se vérifier. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne arme bien puissante. Là, il y a un gars quand même qui a ouvert la porte. Il est où? Il est mort. Oui, je crois que son destin est scellé. Il est bel et bien mort. Hop, merci. Ouais, bon, là, ça va spawn de manière assez lourde, je pense. Donc bon, je suis pas sûr que sortir de l'église soit maintenant la bonne solution. Pas du tout. Ouais, non, pas du tout, parce que ça sort bien, hein. Et surtout, ils ont l'air tous d'avoir fantôme, donc c'est pas le... Oh ouais, non, drone de brouillage, ouais, super. La souris sur le gâteau. C'est sûr que le drone va pas aider, hein. J'ose pas avancer, là, hein. Ils doivent être aux aguets. En même temps, je serais dans leurs conditions... Je serais un peu pareil, c'est-à-dire à faire gaffe de pas sortir du spawn et être bien vigilant. Bah, ils ont bien raison, ouais. Non, mais genre, on est en train de les spawn kill, là. C'est normal ou pas? Ou ça se passe toujours comme ça sur Arc of Peak? Ouais non c'est bon, ça a fait tourner les spawns, ils spawnent assez. Oui parce que bon, ça peut être sympa comme ça, mais parfois non. Parce que après les mecs ils veulent pas trop sortir. Donc bah y a pas de kill quoi, y a pas d'action. Là au moins, si ça fait tourner les spawns, on devrait avoir à nouveau un peu d'action. Tout en faisant attention. Après j'aime pas trop qu'ils spawnent assez parce que assez y a ce bâtiment là. Et ce bâtiment là est chiant parce que je sais que les gens, ils vont vraiment en profiter pour... Alors camper peut-être pas, mais prendre le contrôle au moins du bâtiment. Ouais, prendre un bon petit contrôle du bâtiment quoi, donc ça c'est assez risqué. Hein. Oh dommage, j'étais pas à 1 de la dave. J'ai l'impression que ce temps-ci, j'arrête pas de mourir à 1 de la dave en vidéo. Ouais, en vidéo, parce que genre j'ai tourné récemment la vidéo sur le mode enragé. Ouais, je crois que c'était dans cette vidéo, j'étais mort à 1 de la dave à 2 reprises. Oula, bise répétita, j'ai l'impression qu'en ce moment... Ah c'est pas la dave partie hein. En vidéo du moins, en vidéo. Bon attends, du coup ils sont sûrement dans le bâtiment full, mais il pourrait y en avoir d'autres là à l'extérieur, hein, si possible. C'est pas ma map préférée de 10 contre 10, honnêtement, Arc of Peak, parce que c'est pas la plus dynamique je trouve quand même. Hein. Genre parfois ouais, pour trouver les adversaires c'était pas évident, bah je m'en rappelle encore vu que ma première game de toute façon sur ce Modern Warfare c'était en 10 contre 10 sur Arc of Peak. Et je me souviens que j'avais bien galéré d'ailleurs à trouver les adversaires, donc en même temps... Ça n'a pas trop changé depuis, mais c'est vrai que ça, c'est pas vraiment ma préférée, du coup, il y a mieux. Hein. Surtout avec l'ajout, là, récemment, de Ramaza et Grasnaret, qui sont des maps 6 contre 6, mais qu'on a maintenant en 10 contre 10, c'est vraiment les maps où il faut tomber. Là, tu sais que ça va être intéressant. Je l'ai vu, là-bas. Parce que, bon, sur des maps vraiment assez petites comme ça, en 10 contre 10, oh, tu te fais plaisir. Hein. Oh, bah là, c'est de l'action à tout voir. Hein. Putain, ils ont l'air assez calmes, quand même, les ennemis, là. Hein.
Genre, on va vraiment pas grand monde, mais pourtant ils ont pas l'air de camper plus que ça. Tu vas voir, je dis ça, je vais me faire tuer par un mec qui campait éperdument. Je vais le sentir passer. Non, ça va, pas ce coup-ci en tout cas, hein. Tout va bien. Tout va bien ce coup-ci. Mais peut-être pas la prochaine fois. Oh! De fait, je me fais tuer. Ok, je pense qu'ils sont de ce côté-là, non? Parce que là, je me prends des balles. Vous êtes sympa, je viens de spawner, calmez-vous. Ouais, ouais, ils sont de ce côté. Hop. Petit sniper. Bon, la M4 quand même, à distance comme ça, bof bof. Enfin, surtout parce que là j'ai pas de viseur, mais ah, je la trouve tellement plus stylée sans viseur comme ça. Oh, le réflexe. Limite j'avais le drop shot, hein. Moi qui fais jamais ça, mais limite là oui, parce que j'ai vu qu'il y avait la mine, je me suis dit, ouais, on va peut-être prioriser l'esquive de la mine, puis après on verra si on peut le tuer par la même occasion, le type. Hop. Ok. Oh bah elle se passe bien pour l'instant cette partie, hein. J'aurais peut-être pas d'adav, quoique je peux prendre ma revanche là-dessus, mais ça va, hein. Pour une première partie de la journée, vraiment une partie où t'es pas chaud, déchauffe un peu, je m'en sors plutôt bien, hein. Parce que là les mains commencent à se réchauffer, hein, parce que bon, quand t'as les mains froides, vraiment c'est pas bon signe, hein, c'est-à-dire vraiment que t'es pas chaud. Là j'ai les mains qui commencent à se réchauffer, c'est bon, on commence à s'installer dans la game tranquillement, simplement et tout bonnement. Mais là ça va peut-être être le bon signe, hein. Bon, en vrai, là, j'ai pris plutôt mon temps, j'irais, pour accéder au niveau 100, même si pourtant j'avais commencé un peu sur les chapeaux de roue. Mais j'avais pris une petite pause aussi de 3-4 jours, j'avais pas joué à Modern Warfare pendant 3-4 jours. Bon, là, après, j'ai repris ces derniers jours, là, de manière assez assez robuste. Mais en même temps, là aussi, il faut se dire que pendant ces niveaux, donc c'est bah, 45 niveaux, c'est ça, j'ai pas utilisé mes jetons de double XP. Et je peux vous dire que des jetons de double XP, j'en ai une belle collection, hein. Je vais vous montrer après cette game. Donc là en fait, dès que je vais commencer à les dépenser, ça va y aller en termes de... Mais ouais, mais regardez le lui avec sa RAM7, il a bu... C'est encore le même je pense, hein, qu'au début de game. Il a un bon shoot après aussi, faut le dire, mais ça a quand même l'air d'être une arme sur laquelle tu peux compter, quoi. Donc j'ai hâte de la débloquer, mais en même temps je la débloque très très prochainement, hein. Oh dommage. C'est encore monsieur... Non, c'est pas monsieur RAM7 cette fois-ci. C'est monsieur Kilo, c'est un autre individu. On est à 10, ok, 18 kills. Bon, quand je compare par rapport à mes alliés, ça va, j'ai l'air de bien m'en sortir en termes d'élimination. Même si j'ai pas l'impression d'avoir autant de kills que ça, ça va. Ça va, ça va. Surtout que là, de toute façon, ils sont acculés assez, donc ouais. Il faut traverser un peu la carte si tu veux en croiser des ennemis, hein. Ils ont pas l'air d'être aux autres localisations. Ah, j'ai plus envie de croiser l'autre à la RAM7 maintenant, hein, par contre. Hein, il me fait peur, lui, hein. Ah, lui, il est redoutable, hein. Lui c'est le Némésis. Bon, là il y avait des empreintes de pas, mais je pense que le gars il s'est fait complètement griller. Putain, si bien ils sont tous dans le bâtiment là, hein. Enfin quasiment. Ah mais de toute façon en même temps, ouais, il y a la DAF, j'avais pas vu. La DAF doit les bloquer dans le spawn aussi. Ouais, surtout que là le fond de spawn il est tellement grand que mec tu t'y as... Oh tu t'y aventures, t'es mort, regarde. Aïe 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 aïe, j'ose pas y aller. Je sais même pas qui m'a tiré dessus là pour vous dire. Mais tout ceci ne semblait pas être une bonne nouvelle. Oh, j'étais nul là par contre. J'ai raté mes balles sur le deuxième. Ah, tu vois, ils sortaient tous de là, donc... Ah, faut traverser la map, c'est ça qui est un peu dérangeant. Arc Love Peak, bof. Souvent, ouais, tu dois traverser la map pour trouver les adversaires quand t'es dans une condition comme ça. Alors que bon, je sais pas, Graznaret par exemple, t'as pas forcément cette nécessité, hein, tu trouveras vite des adversaires. C'est pas ma map préférée. Mais après, c'est pas une mauvaise map non plus, hein. Je veux pas dire que c'est une mauvaise map. Genre R&D c'est surprenant. Ça peut être une map 10 qu'on dit, mais je trouve qu'en R&D elle est bien fun à jouer, hein. Elle est bien adaptée. Alors que pourtant elle est quand même assez grande, hein, pour du 6 contre 6, je sais pas, mais en R&D ça fait une bonne alchimie, hein. Bon, là y a personne, tu vois. Et dites-vous qu'il y en a, ils galèrent plus que moi à trouver les ennemis, parce que j'ai quasiment plus de kills que tous mes alliés. Donc il y en a, ils sont encore plus en galère, et moi pourtant je me sens encore plus en galère. Donc eux ils sont, ouais, ils sont peut-être normal, hein, tranquille, ils ont l'habitude, je sais pas. Ah, il sort d'où lui par contre? Il venait de spawn? Ah ok. Ouais, excuse-moi, lui il faisait une petite pause champêtre tranquillement là. Ouais non mais c'est un peu abusé par contre comment il était lui, hein. Qu'est-ce qu'il foutait là à attendre? Bah il campait, je pense que c'est ça la réponse à la question, hein, c'est tout simple, hein. Il campait. Bon là attends, si on va au bâtiment. Ouais, un mec. C'est tout, il devrait y en avoir 9 des 10 même des adversaires. Et non. Hop. Ok, bah au moins on finira bien la partie, je pense là.
Ouais, il y a encore de l'adversité ici, non? Non, il y en avait un autre. Bon, j'ai encore débloqué un drone, c'est le énième drone. Ouais, j'aurais pu éviter cette mort, hein. J'aurais pu éviter cette mort vu que c'est la fin du gameplay. 25 kills, en vrai, ça va. Sachant que celui qui a 32 kills, je suppose que c'est celui qui a sorti la dave. Donc bon, lui, ça a été un peu plus facilité, hein. Ah, par contre, on n'était pas vraiment en 10 contre 10, hein. Je remarque que là, des deux équipes, on était plus en 8 contre 8. Bon, c'est pas bien grave. Ah là, putain, niveau 55, M4 en or. Lui, c'est un salaud. 25-9, bon, c'était une bonne game, même si... Oh, j'aurais aimé faire plus de kills, mais bon, c'est comme ça sur Arc of Peak. Arc of Peak, en fait, quand t'es en 10 contre 10, ça revient à faire du 6 contre 6, quoi. Parce que, bah, ouais, pour croiser les ennemis, c'est pas si simple, je le répète. Du coup, on a bel et bien passé le niveau... Je l'ai même pas vu passer le niveau 100 durant la game, où j'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas vu passer le niveau 100, on est d'accord, hein. Ça l'a même pas affiché. Remboursé. Par contre, mec, j'ai gagné Vlad XP, hein. Parce que regarde déjà au niveau 100, je suis bien avancé, hein. Mais remboursez-moi, je voulais voir, moi, le passage au niveau 100. Pff, que de frustration. Je suis totalement frustré. Bon, du coup, bon, j'ai débloqué des petits trucs sur la M4, ça je verrai de mon côté. C'est pas très intéressant. On commence par quoi? Tiens, je vais commencer par mes jetons double XP. Regardez cette collection de jetons double XP. Et encore, vu que je suis que palier 28 du pass, des double XP, j'en ai encore énormément à gagner. Hein. Là, j'ai encore une bonne réserve à refaire. Mais tu vois, j'ai 3 jetons de 30 minutes, j'ai un jeton d'une heure, un jeton de 45 minutes. Et pareil pour le double XP d'armes, un jeton de 45, un jeton d'une heure, un jeton de 30 minutes. Je suis bien en termes de double XP là, hein. Je vous sors tout ça là et je vais cavaler jusqu'au niveau 155, hein. Ah bah ça, je vous le garantis. Donc après, au niveau de la progression, du coup, du niveau 55, hein, du reset, au niveau 100, bien entendu, bah pas de nouvelle arme en or pour l'instant à constater. Donc j'ai toujours que deux armes en or, la X50 et le HDR. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la progression, la montée des armes comme ça en termes de niveau plus qu'en termes de camo, même si les deux sont assez affiliés, ça avance plutôt bien. Genre les AR, tu vois, j'ai quasiment toutes les AR niveau 30 minimum, sauf la FAL. La FAL, du coup, que je vais commencer à attaquer, surtout que là, il y a double XP d'armes, donc voilà, je vais commencer à bien jouer à la FAL. Mais ça avance bien, tu vois, au niveau de la progression des armes, donc ça, c'est plutôt kiffant, c'est plutôt cool. Bon, la Ramset, du coup, faudra également jouer avec dès que je l'aurai débloqué très prochainement. Pareil, les mitraites, elles sont toutes, je crois, au moins niveau 30. Ouais, vu que la MP5, c'est limite niveau 31, mais sinon, tu vois, c'est assez bien avancé aussi pour tout ça. Donc c'est cool. Alors fusil à pompe, faut que je m'y mette parce que bon, ils sont tous au moins niveau 10, mais c'est pas suffisant. Donc fusil à pompe, c'est vrai qu'il faut que je m'y mette parce que pour l'instant, j'ai pas énormément joué sur ce Modern Warfare au fusil à pompe. Mitrailleuse, ça avance plutôt bien. Hein. Mitrailleuse, de toute façon, je joue uniquement en guerre terrestre. Mais ça avance plutôt bien. Là, je suis sur la MG34. Bon, la Holger, j'ai pas trop encore joué avec. Mais voilà, ça avance plutôt bien aussi pour les batteuses. Fusil tactique, bon, là, c'est vraiment la catégorie où je suis pas du tout avancé. Sauf la carabine, mais là je vais mettre au CAR 98, il y a double XP d'armes, donc ça devrait avancer assez vite. Je vais peut-être essayer aussi de prendre le petit EBR durant ce week-end, donc voilà. Bon, fusil de précision, là vraiment c'est la catégorie de toute façon la plus avancée, vu qu'il y en a deux qui sont niveau max avec le camo en or. Le Dragunov avance très bien, en vrai au début je le trouvais merdique, mais hey, dès que t'as les bons accessoires, c'est une pièce maîtresse, quoi, c'est une superbe arme, avec laquelle d'ailleurs j'ai fait une série de... Oh, bah, je vais pas le dire, je verrai ça après. Mais j'adore cette arme, j'adore le Dragunov. Il est sous-coté. En tout cas, en guerre terrestre, il est bien. Après, est-ce que c'est bien dans les zones mode? Pas sûr, mais en guerre terrestre, ça fait largement le taf. Et corps à corps, bon bah, bouclier anti-meute niveau 1, j'ai pas du tout joué avec. Les pistolets, bon bof, pas trop joué avec non plus, on va dire. Sauf quand je suis en escarmouche, lanceur, pas du tout non plus. Et couteau, bah non plus. Voilà, voilà. Ça, c'est petit état lié, on va dire, au niveau de l'avancée des armes. Du coup, je vous propose directement d'aller voir ce qu'il en est. Des statistiques, les fameuses statistiques. Donc voilà, nous y sommes, let's go, avec pour commencer bien entendu l'avancée des défis. Donc les défis comme pour la saison 0, de toute façon pour l'instant je fais tout simplement jouer, je joue, c'est tout. Donc les défis, je me consacre pas du tout à ces derniers, je les fais un peu au pifomètre, voilà, sans le vouloir. Même si bon, pour l'instant j'en ai fait quand même quelques-uns, du coup là je suis entre bah, 10 et 20, bon, je vais pas les compter de toute façon. Mais voilà, ça avance progressivement, surtout que certains sont déjà presque complétés aussi. J'aimerais bien que pour cette saison, parce que ça me paraît quand même large, 44 jours, je pense que c'est peut-être possible de réussir tous les défis, ça va être un certain challenge, mais ce serait bien. Ce serait bien que du coup pour cette saison je les fasse tous, les défis, on verra, mais c'est un certain objectif. Ensuite, du coup, bah, pour les statistiques globales, donc toujours le HDR comme arme la plus utilisée, c'est comme ça depuis le tout début du jeu.
et ça n'a toujours pas changé pour l'instant. Terme de temps de jeu, on est quasiment à 3 jours de jeu, donc 2 jours, 22 heures et 9 minutes. 731 parties jouées, enfin bon, s'il compte toutes les parties que j'ai quittées, en réalité j'en ai pas du tout joué 730, mais beaucoup beaucoup moins, hein, ça c'est sûr. Victoire 210, défaite 463, bon là pareil, si t'enlèves tous mes rage kits, enfin rage kits entre guillemets, hein, parce que bon, quand c'est des parties déjà commencées, tu joues même pas la partie, tu quittes direct. Bon, si t'enlèves toutes ces défaites, là, on est plus à un équilibre, hein, donc 0,45, 2 victoires défaite, mais bon, comme sur Black Ops 4, victoire défaite, je m'en balais, de toute façon, vu que c'est complètement biaisé comme stat, elle n'est pas respectée. Ah, série d'animation, toujours 19. Pourquoi je dis toujours 19? Parce que malheureusement, en guerre terrestre, avec mon cher Dragunov, j'étais sur port de Verdansk, et j'ai fait une série de 19. Je suis deg. Je voulais au moins battre mon record du coup quand j'ai vu ça. Et non, comme par hasard, il a fallu que je meure à 19. Alors que je maîtrisais parfaitement là où j'étais. J'étais, on va dire, un peu en mode spawn kill quand même, sur port de Verdansk. Et il a fallu que quand je suis en série de 19, ils soient tous à venir sur moi par un groupe de 4-5 joueurs. Bon là, j'étais cuit direct. Hein. Je suis deg, j'aurais pu... Je cherchais pas à avoir la nuque, mais au moins à battre ce record de 19. Au moins faire une série de 20, ça était bien. Et non, malheureusement, ça stagne toujours à 19, donc deuxième série de 19 réalisée. Non, ça fait chier. 1,51 de ratio, bon ça se stabilise, hein, ça bouge plus vraiment, voilà, depuis le début, on tourne dans ces eaux-là. Score par minute, bon lui, il est descendu parce que j'ai beaucoup joué en R&D, hein, pour faire un défi, il fallait juste faire 5 victoires. Et malgré tout, j'ai fait juste pas combien de parties, parce que, mec, c'était chaud de faire ces 5 victoires. À chaque fois, je tombais dans l'équipe qui perdait. C'était fou, genre t'as une chance sur deux de tomber sur la bonne équipe, non, moi je manquais toujours le coche, sachant que la plupart du temps je me plaçais quand même dans les premiers de mon équipe, ça allait, bon il y a des parties aussi je gaffais forcément, mais la plupart du temps je me débrouillais plutôt bien, mais on perdait quand même, il y a même une partie, on gagnait 4-2, et ils ont tous quitté dans mon équipe, on était plus que 3, bon on a fini par perdre hein, du coup au final, donc même les parties où je m'apprêtais à gagner, on réussissait quand même à les perdre, parce que ça a quitté. C'était un enfer de faire ces 5 parties en ces 5 victoires en R&D, mais bon, ça a été fait, donc tant mieux. Surtout que le problème en R&D, c'est que c'est bien fun, mais c'est 6 manches gagnantes, c'est beaucoup trop long, donc un calvaire, hein, voilà, c'était un calvaire. Donc maintenant, on va regarder les stats un peu plus en détail. Bon là, de toute façon, je peux pas comparer à mes amis, vu que c'est toujours buggé. Yes, super cool. Après, bon, élimination, de toute façon, on est à 7343 éliminations, 4857 morts, voilà, voilà. Bon, on s'en fout du ratio victoire-défaite. Donc, on va directement passer au rapport de combat au niveau des armes. Déjà, bon, les armes, je vous fais défiler ça, voilà, en termes d'élimination. 380 éliminations, la Hog, n'empêche, hein. Ça avance plutôt bien. 394 pour la M4. Ouais, tu vois, il y a certaines armes quand même qui commencent à avoir pas mal d'élimination, même si bon, voilà, j'essaie de jouer un peu avec tout, même si bon, certaines armes, j'ai pas encore pu jouer avec. C'est vrai que voilà, j'essaie vraiment de diversifier. Et c'est pas forcément une bonne chose de faire ça sur Modern Warfare, parce que clairement, les joueurs qui jouent avec une seule arme, c'est les joueurs avantagés, parce que eux, ils auront du coup tous les accessoires sur cette arme. Alors que quelqu'un comme moi qui joue absolument avec toutes les armes, bah souvent, ils se retrouvent avec des armes qui sont pas très très bien montées. Bah, moi, vous voyez, de toute façon, j'ai aucune arme, sauf les fusils de précision qui est niveau max, hein. Ils sont toutes vers les niveaux 40, 30. Donc, pour certaines armes, j'ai débloqué que la moitié des accessoires. Donc, pas grand chose au final. Donc, c'est assez, ouais, assez négatif de jouer de cette manière. Mais bon, c'est ma façon de jouer, tant pis, hein. Ça colle pas forcément à Modern Warfare, mais c'est comme ça. Bon, après, du coup, voilà, là, c'est les petits équipements explosifs. Que j'utilise pas trop, même les Claymore, en vrai, j'utilise plus trop. Bon, c'est pas trop mon dada, les équipements explosifs. Alors que les équipements tactiques, avec ce magnifique stimulant. Là, ok, donc stimulant 671 utilisation. 41 000 de soins. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est magnifique. Et après, en vrai, les paralysantes et le flash, ça, c'est utilisé juste en escarmouche. Hein, mais vraiment, en dehors d'aucun autre mode, c'est que de l'escarmouche. Escarmouche qui m'a bien fait descendre mon score par minute aussi avec la R&D. Hein. Sacre bleu. Ça, c'est vraiment, c'est des modes. Au moins, l'escarmouche, je dirais, il devrait pas compter pour le score par minute. Parce que, mec, ça te fait descendre forcément le truc à coup sûr. Vu que tu fais je sais pas combien de scores par minute, 100 je crois, un truc comme ça, voire même moins en escarmouche, donc ça c'est dégueulasse. Série d'élimination, bon là de toute façon je n'utilise que le drone, sauf quand il y a un défi, mais sinon ouais c'est que le drone, donc il y a quand même 396 utilisations. Après on a du coup forcément le petit Adav, il est où l'Adav? Il est où, il est où, il est où, il a la dave. 51 utilisations, 185 éliminations, ça fait un bon ratio d'élimination par utilisation, je trouve. Et on a bien entendu après aussi l'hélicoptère d'attaque, 39 utilisations, 236
Élimination. Ah, je suis en train de tout mélanger. Eh ben, v'là rentable, hein. C'est pour ça que ce sont les meilleurs street points, d'ailleurs, hein. C'est pas bien étonnant. Mode de jeu après, bon, moi, je joue souvent, de toute façon, dans les moshpits, donc c'est, bah, ça peut tomber sur de la domination, ouais, ça peut tomber sur de l'élimination confirmée, de la MME, du QG, donc je joue un peu, de toute façon, dans tous les modes. La MLG générale, j'y suis toujours pas allé depuis le début du jeu, j'y suis pas encore retourné, voilà, voilà. Et à part ça, bah, beaucoup de guerres terrestres aussi, mais ça, ça a pas changé, parce que c'est un superbe mode, tout simplement. Et amélioration de combat, ça a pas changé non plus, j'utilise de toute façon essentiellement silence de mort et les boîtes de munitions, sauf quand j'ai un défi, où là, bah, du coup, je me permets d'utiliser autre chose, mais sinon, on part plus sur du silence de mort et des boîtes de munitions. Donc voilà, ça, c'était au niveau des statistiques, je pense avoir fait le tour, du coup, je pense n'avoir rien oublié. On peut rapidement checker aussi au niveau des petites missions. Voilà, des petites missions. Bon, les dernières missions qui ont été rajoutées lors de cette saison, bon, de toute façon, j'en ai fait aucune, donc là, ça a rien de regarder ça. Donc, on va plus partir sur les anciennes missions. Donc ça, Sniper d'élite, ça a été fait, mais je crois que ça avait déjà été fait lors du niveau 155, mais je suis plus très sûr. Bon, tout ça, ça n'a pas du tout été avancé. Ça, je l'avais déjà, donc rien de nouveau. Donc là, je progresse bien, du coup, pour le code du guerrier, qui a quand même 12 objectifs, donc il est bien loin à faire. Mais c'est celui-ci, d'ailleurs, qui me demandait, voilà, de gagner 5 parties de recherche et destruction. C'était bien long. Donc là, voilà, je l'ai bientôt accompli, parce que, bon, là, je me suis pas encore concentré à le faire, mais bon, 40 éliminations avec une arme secondaire, c'est très très simple. Surtout quand tu joues en guerre terrestre, moi, vu que je suis en surarmement, je suis juste que je fasse des kills avec mon Dragunov qui est en secondaire. 40 éliminations, c'est rapide. Limite, tu le fais en une seule game. Là, pareil, faire 10 éliminations à distance en guerre terrestre, bah, tu fais quasiment que ça, donc trop rapide. 5 victoires en escarmouche, ce sera peut-être un peu plus long, mais ça va, hein, vu qu'une partie d'escarmouche, de toute façon, c'est pas très très long. Même si on perd, ça devrait le faire. Et après, remporter 10 parties publiques, bon, ça se fera au fur et à mesure, mais c'est pas non plus très très compliqué. Donc voilà, et après, bon, les autres défis, en vrai, j'en ai pas fait énormément hein, pour l'instant, mais bon, surtout que je me suis attelé, en fait, je dirais, au plus long. Donc après, quand on fera les plus rapides, ah, ça ira direct beaucoup mieux. Et bon, le pass de combat, du coup, actuellement, je suis niveau 28. Donc ça va, et du coup, plus que 2 niveaux. Ah ouais, surtout que là, je suis bientôt, en fait, niveau 29, donc plus que 2 niveaux pour débloquer la RAM 7. Ah, j'ai hâte de la tester. Bah, un seul niveau, même, attends. Non, deux niveaux, c'est bien ça. Donc, hâte de pouvoir tester cette petite RAM 7. Voilà, voilà, donc normalement, j'ai fait le tour au niveau de toute cette présentation de statistiques pour ce niveau 100. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. Et on se retrouve bah, très très vite hein, pour d'autres vidéos sur ce Modern Warfare, que ce soit du coup dans le cadre du multijoueur, voire même des opérations spéciales. Allez, bye tout le monde. Oh yeah.